Est-ce que vous me voyez? Donc là, je suis dans la future chambre de mon fils. Ça a bien avancé. J'ai enlevé le papier peint. Mon mari a bouché tous les trous. Il a poncé le plafond parce qu'on avait fait des trous pour la balançoire. Donc bref, on a tout rebouché. Du coup, aujourd'hui, je vais peindre les plinthes des bordures. Les mouches. Elle est partie, la mouche. En ce moment, il y a des grosses mouches. Il doit avoir trop froid, les pauvres. Ils viennent à la maison. Donc bref, je vais peindre les bordures. Ensuite, je pense que demain, on va pouvoir enfin poser le papier peint. Car ce soir, mon mari doit peindre le plafond. Et je ne sais pas, ça va prendre combien de temps pour sécher. Au pire, j'ai allumé le chauffage à fond. Bon, bref, je suis bien contente. Par contre, je ne ferai pas de vidéo, vous savez, spéciale, le changement de pièces, renouvellement de pièces, je ne sais pas. Là, je vous montre petit à petit dans les vlogs, mais je pense que je mettrai des petites scènes peut-être et je ferai une vidéo avant, après. Ouais, pourquoi pas. Bon, bref, on verra ça plus tard. J'ai une de mes abonnées qui m'avait posé la question. En fait, Bema, il y a quoi dans tes plantes, les noms des plantes qui sont dans ton thé? Donc, j'ai vu en dessous cet écran français, rosemary, bûche, bruyère, le thé vert, le thym et du mat. Je sais pas si on dit maté ou mat, M-A-T-E. Et du coup, voilà, là je suis à une semaine d'utilisation. Par contre, en ce moment, j'ai pas vu trop d'évolution vu comment je mangeais à côté. Mais bon, là, depuis hier, j'ai arrêté tout ce qui est chocolat, gâteau, tout ce qui fait grossir. Ce matin, j'ai mangé 2 œufs au plat avec un petit pain complet. Et là, je bois le thé. D'ailleurs, j'ai pas encore reçu le thé détox que je vais recevoir avec un partenariat. Je l'ai pas encore reçu. Vivement que je le reçois, que lui aussi, je commence. Et le sport, on verra la semaine prochaine, parce que là, avec les rendez-vous et tout. Oh my god. Bon, bref. Ah oui, hier, je suis partie faire mes courses. J'avais 2-3 bricoles à acheter chez Leclerc. Du coup, ils nous ont rempli les stocks. C'est bon. Donc, du coup. Excusez-moi si je dis toujours du coup. Sinon, j'ai acheté le Signal What Now. C'est le bain de bouche. Voilà, il est à moins 50%. Et j'ai encore pris un lèvre, encre à lèvres mat. Couleur saturée, tenue 16 heures, c'est le numéro 20. La dernière fois, j'ai pris la teinte numéro 15 la semaine dernière. C'est un produit franchement coup de cœur parce que ça reste du matin au soir. Le soir, je suis là à me démaquiller avec l'huile que j'ai reçue de chez Yves Rocher. C'est que avec cette huile que l'encre à lèvres s'enlève bien comme il faut. Je mange, j'essuie ma bouche et tout. Et l'encre à lèvres reste toujours sur les lèvres. Donc tout à l'heure, j'ai serré cette teinte. Je me suis juste maquillée. Ah oui, je me suis maquillée avec la palette que j'avais reçue avec Leclerc. Et du coup, cette palette, elle est chez Leclerc à 7 € et des poussières. Et franchement, ça va. Hein. Donc, moi qui avais du mal avec le bleu, bah, tous les jours, je m'amuse avec ces teintes. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé cette teinte-ci et le jaune doré. Très bonne pigmentation. Par contre, il faut bien la travailler, il faut bien estomper, il faut remettre de la matière, il faut mettre une base. Si vous mettez pas de base, vous savez le trait au milieu de la paupière, ça fait très moche. Mais voilà, un petit peu. Je me suis pas fait le teint parce que je devais vous faire la vidéo avec le produit que j'avais acheté chez Action pour enlever le duvet. Bon, bref, là je l'ai fait, là je l'ai pas fait. J'essaierai de le faire cet après-midi, on verra bien. Donc là, je vous mets vite fait la scène de Leclerc. Je vous ai filmé quelques scènes où ils ont fait le remplissage des stocks. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis arrivée chez Leclerc faire mes courses. Et là, du coup, j'ai vu qu'ils ont rempli les rayons. C'est les produits qui manquaient le premier jour des promos. Voilà, voilà. Du coup, vous avez les brosses, surtout cette brosse que j'ai présentée sur ma chaîne. Du coup, il est à 6,59 €. Donc ça aussi, ils l'ont reçu. Ça aussi, ils ont reçu. 3,89 €. La marque Nivea. Vous avez de la crème. Du coup, là, vous avez le fond de teint que je vous ai déjà présenté. Et là, du coup, vous avez le shampoing. Bah, du coup, ils l'ont mis devant. Et ça, c'est quoi? Shampoing sec. Voilà. Là, vous avez du déodorant Tahiti.
Ah bah elle est là, la marque Rimmel. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, pourquoi je voulais la marque Rimmel? Ah bah il n'y a que le mascara. Attendez, on va voir derrière. Ouais, il n'y a que le mascara. En fait, je voulais le produit pour les sourcils. Mais du coup, vous avez la marque Revlon, 3,99€, le rouge à lèvres. Voilà, et là, vous avez les vernis. Une seconde, bon, ça c'est à l'ancienne. Hein. Je reviens à 3,75€. Et là, vous avez des colorations. Qui vous revient à 4,10€. Et c'est une boîte. Voilà. Bon, bah, il ne reste plus que ça. Ah, bah, vous avez les palettes. Et du coup, ils sont soldés eux aussi. Voilà, je vous avais montré, mais je n'étais pas sûre s'ils étaient soldés ou pas. Donc voilà, voilà. Du coup, je suis venue faire mes courses et prendre une autre teinte. Car franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai pris ça la dernière fois. À la maison, j'ai cette teinte et cette teinte. Voilà. Et du coup, je voulais une un petit peu plus foncée. Donc, je vais prendre celui-ci. Mais j'ai peur que ça fait trop, trop rouge. Donc oui, j'ai coupé les ongles hier. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense que je vais prendre cette teinte pionnière. Voilà, un peu plus foncée. Ouais, c'est pionnière aussi. Il n'y a que ça comme teinte, je crois. Hein. Un petit peu plus foncée. Voilà, voilà. Ah, bah, ils ont mis ici le Neutrogena, tiens. 5,99€. Voilà, franchement, c'est des bons produits. Je vous le conseille. Hein. Et pour pas cher. Hein. Sinon, ils ont mis la marque John Frieda, mais je ne vois pas le soin. Dommage. J'aime trop leurs soins. Il n'y en a pas. Sinon, vous avez, vous savez, pour les cheveux blancs, pour cacher les cheveux blancs. Du coup, ça revient à 8,99€, mais vous avez que format XXL. Voilà. Et là, vous avez du shampoing sec à 2,09€. Sinon, j'ai reçu la Soot Parkers. Donc, je vais pas vous l'ouvrir comme ça. Je vais vous mettre une petite musique et je vous montre les produits sans mon visage. Et au fur et à mesure, à chaque fois, comme d'habitude, je vous montrerai les produits testés sur moi. Là, c'est parti, je vous mets la box en direct. Et pour terminer, ce matin, j'ai reçu une crème Estée Lauder, la marque Estée Lauder. C'est avec la plateforme Octoly et le site Estée Lauder. Donc, elle se présente comme ceci. Le packaging, il est toujours bien. Par contre, il faut faire attention, parce que la dernière fois, c'était pareil pour la crème. J'ai fait comme ça, boum, c'est tombé par terre, mais ça ne s'est pas cassé. C'est réparation synchronisée Matrix, concentré riche contour des yeux. Se présente comme ceci. Donc j'ai déjà reçu une crème contour
autour des yeux. Je suis à la moitié d'ailleurs. Il faut que je regarde. Et le packaging, il est trop beau. Donc juste en dessous, j'ai la crème que j'ai testée, que je vais vous montrer juste après. Donc le produit se présente comme ceci. Ah ouais, quand même. Ça, c'est bien. Là, au moins, pas besoin d'utiliser un pinceau en plus pour récupérer la matière. L'odeur est bien. Et on verra bien, réparation synchronisée. Donc, ouais, contour des yeux, venu à un certain âge, voilà, n'est-ce pas? Donc, c'est un combien ml? C'est un 15 ml. Voilà, là, j'en ai pour 6 mois, voire plus. Du coup, je reviens sur la crème Estée Lauder. Donc, celui-ci, c'est Baume Réveil Éclat. Oh, franchement, un réel coup de cœur. Je l'ai terminé. Voilà. Il y a un tout petit peu. Il n'y en a même plus. C'est vraiment le fond. Il y en a un tout petit peu. Mais l'odeur est à tomber. Vous mettez ça le matin, vous avez vraiment une bonne mine. Elle n'est pas teintée, hein, mais comment vous expliquer? Elle retend votre peau. En fait, c'est écrit appliquer matin et soir ou dès que vous ressentez le besoin d'un coup d'éclat immédiat, utilisez seul ou par-dessus votre crème. Donc moi, j'utilisais seul ça. J'utilisais pas d'autres crèmes. Et franchement, nickel, ça m'a pas fait de boutons parce que je réagis beaucoup sur des nouvelles crèmes. Cette crème, nickel. Et c'est un produit que je rachèterai parce que on a toujours besoin de ce genre de crème chez soi. Estée Lauder, c'est une très très bonne marque au côté crème. Voilà pour ça, car on m'a posé la question, Belma, c'est bien de recevoir des produits, mais on n'a pas d'avis, mais voilà, il faut du temps pour que je termine ce genre de crème. C'est pour ça, d'ailleurs, si je reçois une crème de la même marque du produit que j'ai terminé, je vous la montre de suite. Donc merci beaucoup Octolé et Estée Lauder. Donc c'est ici que je dois peindre. Donc il y a du taf, n'est-ce pas, mais ça va, dans l'ensemble, c'est bien, c'est good. Voilà, donc après, ce sera la pose de papier peint. Alors, je vais prendre le produit que j'avais pris, acheté chez Action, on va le tester. Donc je vais le tester juste à l'extérieur, en fait. Et les petites barres blanches là, parce que vu que les en dessous et juste ici, voilà. Donc on va faire le test. Voilà. Par contre ici là, il faut une sous-couche, donc je vais acheter une sous-couche. Mais côté ferraille là, magnifique, trop beau. Voilà. Voilà, il faut tout, c'est dommage. Voilà.
peinture, j'ai fait que les rebords. Et là, je vais venir peindre le plafond. Voilà.